Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo ask. Je vous ai demandé de poser vos questions sur Instagram parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai changé de décor, changé de caméra, etc. Donc je me suis dit que c'était un peu le moment de mettre les choses au point. Dites-moi si ça vous plaît. J'ai pas pu répondre à toutes vos questions, je suis vraiment désolée, il y en avait vraiment beaucoup. J'ai fait une petite sélection, j'ai sélectionné 20 questions pour vous. Donc c'est parti. Première question, tu vas faire quoi l'année prochaine? Donc l'année prochaine, je suis en école de maquillage. Comme vous le savez, de toute façon, le maquillage, c'est ma destinée. Que veux-tu faire comme métier? Bah, maquilleuse, 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 formatrice, mais que dans le maquillage. Uniquement le maquillage, le maquillage. Depuis quand te maquilles-tu? Alors, je pense que je me maquille depuis que je suis au collège. Je commence à me maquiller en quatrième. Quelque chose comme ça. Quand est-ce que tu vas recommencer à poster les vidéos de make-up sur YouTube? Alors, faut savoir que ça fait pas mal de temps déjà que j'ai pas posté de vidéo parce que j'ai été prise par le temps, etc. etc. Mais vraiment, les vidéos de make-up, c'est ce que je préfère. Les vidéos avec une voix off, sans voix off, c'est vraiment ce que je préfère, ce que je préfère. Avec cet appareil-là, je peux pas vraiment zoomer, donc pour faire les vidéos de make-up, c'est pas évident. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc pour l'instant, je ferai pas de vidéos de make-up, mais peut-être très très bientôt. Mais en tout cas, j'adore. Donc, quoi qu'il se passe, je vais en refaire. Routine peau, t'es trop canon. Merci beaucoup, c'est très gentil. Routine peau, alors faut savoir que j'ai fait une vidéo sur l'acné qui explique avec les produits que j'utilise, etc. Donc, comment enlever l'acné, tous mes conseils, etc. Je vous la mets juste là, si jamais ça vous intéresse. Je pense que je vais faire une skincare pour vous expliquer un peu, genre faire un update de ma peau, etc. Les nouveaux produits qui ont changé ma peau. Je pense que je vais faire ça très rapidement parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram. Tu viens de Cannes, alors c'est un peu compliqué, je viens à la fois de Cannes et à la fois de Paris, donc des deux. Ton métier de rêve? Mon métier de rêve, c'est maquilleuse, formatrice, et j'aimerais partir en tournée avec des musiciens pour les maquiller. Faire des plateaux télé, cinéma, etc. Vraiment dans tous les domaines. Mes indispensables de l'été, je dirais une crème solaire et un rouge à lèvres rouge. Maintenant, tu as une peau sans défaut ou tu as encore des cicatrices? Alors, j'ai des petites imperfections. Bah, par exemple, là, j'ai quelques boutons qui se voient. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais j'ai quelques boutons parce que je mange énormément de sucre. Je mange beaucoup de sucré, donc ça me fait instantanément des boutons. Mais sinon, si je mange pas sucré, j'ai pas du tout de boutons. Tous les produits que j'utilise, vraiment, comme je vous ai dit dans la vidéo, je mentionne tout. Ça m'a changé la peau. C'est toujours la même chose. Il y a des choses en plus, mais j'utilise toujours les mêmes basiques. Et les cicatrices, non, j'ai plutôt de cicatrices. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous explique comment j'ai fait pour les enlever. Dans quelle boutique t'habilles-tu? Alors, je m'habille beaucoup chez Zara. Rien de spécial. Ça a été facile pour toi de trouver un lycée avec la filière esthétique? Alors, oui et non. Oui, au début pour le privé, parce que le privé, en fait, si vous payez, bah, il vous accepte. Donc, forcément, il n'y a rien de difficile. Mais après, pour le public, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'il faut se faire accepter, quoi. Il y a très peu de place, mais après, il faut que vous voyez tout ce qu'il y a aux alentours. Faut tout tester, hein, je pense. Tu mesures combien? Je mesure 1m73. Tu pourrais nous faire une routine cheveux, s'il te plaît. Gros bisous. Alors, honnêtement, j'ai déjà pensé à faire ça parce qu'on me l'a pas mal demandé, mais il n'y a rien de fou. J'utilise pas des produits de ouf. J'utilise des produits professionnels, mais je fais rien de fou, quoi. Donc, peut-être que je pourrais vous faire une routine. Je sais pas si ça vous intéresse. Toujours avec Enzo. T'as envie de vraiment faire de YouTube ton travail? Alors, je dirais pas non. Honnêtement, je pense que ça me plairait. Après, tant que ça, il y a toujours du maquillage sur ma chaîne, tout va bien. Il faut que vraiment ça reste centré sur le maquillage, mais honnêtement, oui, ça me plairait beaucoup. Es-tu en couple? Oui. As-tu des conseils pour toutes celles qui veulent se maquiller hyper bien comme toi? Bisous, t'es la best. Merci, c'est très gentil. Des conseils pour celles qui veulent se maquiller aussi bien que moi? Je dirais s'entraîner. C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est de maquiller Camila Cabello. Je veux réaliser ce rêve et je réaliserai ce rêve. Pourquoi t'as pas laissé tes anciennes vidéos? Alors ça, c'est une question que j'ai reçue un milliard de fois. En fait, c'est simple pour moi. Maintenant, ma chaîne YouTube, elle me sert pas mal pour ma vie professionnelle, pour tout le maquillage, etc. Et quand je montre aux gens mes vidéos, etc., il y a des vidéos qui sont pas du tout, enfin qui n'étaient pas du tout professionnelles. J'ai pas forcément envie qu'on les voit. Et ensuite, dernière question, tes vidéos sont-elles monétisées? Alors oui, mes vidéos sont monétisées. Alors je ne gagne absolument pas ma vie comme ça. C'est pas ce qui me fait un salaire tous les mois. Mais oui, mes vidéos sont monétisées et je gagne de l'argent avec, mais pas de grosses sommes. Voilà.
Donc voilà, j'ai fini pour ce ask. J'espère que ça vous aura plu. C'était un petit peu rapide. En tout cas, sachez que je réponds à tous vos messages sur Instagram. Même si je mets un petit peu de temps ou en commentaire, je réponds toujours, toujours à vos messages. Donc vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions, je pourrai y répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!